Yo les amis, bienvenue au nouveau. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo de Smash Bros Ultimate. On enchaîne à nouveau. Ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Hein. Bonjour Staria d'ailleurs, qui ne dit même pas bonjour. Ouais, moi je suis d'ici, non. Bon, je m'en fous. Ok, vas-y, maintenant on repart dans le mode esprit du coup. Eh, bon, je suis là. Appuyez sur un bouton. Ok. Je tiens à dire, moi je suis le boss final actuellement. Mais oui, pour lui, c'est commencé à être basique de faire le boss final de toute manière. Ah ouais, j'ai déjà fait trop. Ok. Maintenant, on s'était laissé au niveau du lapin DK. Ou au choix, Blaze. Du coup, on va affronter le lapin DK. Qui représente Donkey Kong. Ça semble logique. Effectivement. Et en plus, Donkey Kong qui est blanc, pour bien le représenter. Eh oui. Allez, go! J'ai jamais aimé ce stage. Où est-ce que je suis, là? Mais pourquoi est-ce qu'il est géant, donc il est con, bizarrement, là? Ouais, c'est drôle. Mais oui, bien sûr, c'est extrêmement marrant. Ah ouais, t'as vu ça? Je sais pas si t'as joué à Mario Lapin Crétin, toi, tu as joué ou quoi? À la base, je voulais y jouer, mais j'ai jamais pu. Moi je l'ai eu day one, mais genre je l'ai vendu après parce que je trouve ça trop dur en fait. Ouais, mais de toute manière, ça avait pas l'air non plus ultra génial, je trouve. Oh, après, il y a le DLC de Donkey Kong aussi dans Mario Lapin Crétin. Bah, ça du coup, je l'avais pas, mais je trouvais ça trop dur le Mario Lapin Crétin. Ouais, mais franchement, moi aussi je le trouvais tellement. Les gens ils vont se foutre de moi, mais voilà. Quoi. En fait, j'ai essayé de l'avoir. Ok, maintenant là, on peut affronter Pac-Man, mais juste avant, j'ai envie d'aller affronter Blaze. C'est pas Pac-Man avec Free Bonus là? C'est pas Free Bonus? Non, c'est rien. C'est Darren avec comme esprit Blaze. Ouais, il y a du feu par terre! Vous êtes des dingues! Bah oui, Blaze. Tu sais pas qui c'est, Blaze? Si, dans Sonic, TG, mais bon, même. Même que j'adore la jouer dans Sonic Run là, enfin je sais pas comment ça s'appelait. Sonic Rush? Non, Sonic Dash là, tu sais. Sonic Dash. Mec, ça tu joues à Sonic Dash toi? Oh là. Mais j'y ai joué à un moment, comme tout le monde. Oui, bon, il y a tout joué, mais enfin moi j'y ai joué une demi-seconde, après j'ai arrêté. Hein. Mais moi aussi, je suis imbécile. Mais pourtant j'aimais bien la jouer. Oh, c'est quelques demi-secondes. Mais. Pourquoi est-ce qu'elle craint pas le feu et moi je le crains complètement de dingue là? Parce que Blaze, elle crache du feu, elle est trop cool. Merci de me le rappeler. J'allais oublier Staria. Je tiens à dire un truc, c'est que j'ai même pas terminé la première phase du boss final et j'ai déjà perdu deux personnages. Je suis assez content. Là je vais mourir face à Darren. Ouais. Mais elle a une fleur de feu d'entrée de jeu, on m'explique? Bah oui, mais Blaze elle est trop cool, je t'ai dit. Mais merci! Je m'en fous qu'elle est cool! Elle a une fleur de feu dès le début, c'est pas juste. Moi aussi je veux une fleur de feu. Je suis pas la masse de Zugun, fleur de feu, hein. Pourquoi est-ce que quand moi je tuerais Darren et que je récupérais l'esprit de Blaze, bah moi j'aurais pas de fleur de feu et tout là? Hein, on m'explique là? Il y aura pas de logique. Oui, parce qu'elle est pétée. T'as vu? Et voilà, évidemment. Fail. Mais casse-toi! Mais j'ai encore frappé du feu. Moi je dis, il y a des. T'as encore frappé du feu? Depuis quand on frappe du feu? Non, mais je suis encore allé dans le feu quoi. Mais casse-toi! Tu veux des claques? Ouais, d'accord, c'est bon. C'était quoi cette question? Tu veux des claques? Personne ne te répondra en fait. Mais. Ouais! Mais laisse-moi te frapper! Laisse-moi te frapper, mais tu me fais trop peur. Elle se régénère et tout là. Ça, ah bah j'ai fini la première phase. Bon, ok, ça fait deux fois de suite qu'elle me tue. Vous savez quoi, c'est pas drôle, j'avais envie d'aller continuer ailleurs en fait. Franchement je trouve ça trop facile en fait, je me suis laissé faire. Donc voilà. Ok, Pac-Man tout seul. Rien d'autre. Ah j'ai récupéré mes autres personnages. Oh. Ah non j'en ai un. Oh l'esprit Pac-Man, ça veut dire en fait si je bats Pac-Man, et bah je le débloque, trop bien. C'est l'esprit Pac-Man en lui-même. Il est contrôlé par aucun autre. Oh, oh j'ai recruché une tuée. Putain ça fait mal.
Oh, mais il fait trop mal le petit là. Allez Pac-Man, je te veux. Dans mon équipe. I want to have you. In my team. J'ai du feu. Pac-Man, fais attention, j'ai du feu. Le feu c'est trop cool. Le feu c'est Bowser, donc c'est trop cool. Comment ça c'est Bowser, pas forcément Bowser, c'est Blaze. Je m'en fous, c'est Bowser. Non, Blaze, mais Blaze en fait je connais même pas, tu vois. Bah pourtant tu as joué dans Sonic Dash. MDR. Best jeu ever. Non, non, mais toi t'as pas joué à Sonic Boom and the Crystal Shards. Si. Et le t'as joué à ce jeu sur la 3DS là. Et le cristal brisé. J'ai pas joué à celui sur Wii U, j'ai joué à celui sur 3DS. Alors juste dis-toi que les deux sont équivalents, ils puent la merde les deux. Je sais, hein. C'était vraiment nul à chier. Non mais juste vraiment, Sonic Boom est sur la Wii U, juste pour te dire, il est bourré de bugs. Je crois que c'est un des jeux les plus buggés que j'ai jamais vu. Sonic 4 aussi, il est pas mal. Non, Sonic 4 ça va. En termes de bugs. Toi t'as pas joué à Sonic 2006. Bah si, justement, Sonic 2006 je te parle. Non, non, c'est pas Sonic 4. C'est pareil. C'est pas du tout. Ça reste le même. Sonic 2006, il est en 3D et Sonic 4, il est en 2D. Et voilà, j'ai perdu. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ouais, tout ça à cause de Sonic 2006. Mais c'est vrai, lui, il se transforme en... Non, parce que je dis des mots genre incompréhensibles, mais je veux pas spoil aussi. Oh mince. Ah yes, c'est bon, j'ai gagné, je suis Pac-Man. Pac-Man fait son entrée. Putain, mais il fait mal, lui. Il fait trop mal, mais... Il se calme, l'autre, là, il envoie ses boules de feu. Là. Ok, j'ai joué entre deux passages. What the fuck? Quoi? Le phénix? Ça s'est rapproché de lui? What? Attends, il y a du bleu, il a balancé une boule de feu, le phénix! C'est Killer son nom. Ah oui, et justement, en fait, je vais te dire. Tu vois là où il a balancé une boule de feu, c'est une sous-zone. Et il y en a la masse des sous-zones sur la map. Oh mince. Bon, ok. Allez. Dans les sous-zones, il y a aussi des personnages à débloquer, il y a aussi d'autres esprits. Oh, il y a Sakura de Fire Emblem. Vas-y, c'est bon, je l'affronte. Et aussi, dans les sous-zones, je tiens à dire qu'elles sont souvent sur les thèmes. Il y en a une de Splatoon, il y en a une de... Bah, là où il a balancé la boule de feu, c'est une de Château de Bowser. Et je crois que l'autre... Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Ah si, il y en a plein d'autres, mais pas toutes les cités, tellement il y en a. Je me suis pris quoi là, on m'explique? Bon alors, juste pour dire vite fait, en fait là, en faisant le montage, je suis assez surpris parce que ça fait déjà longtemps que j'ai tourné cette vidéo. Mais aujourd'hui, le main de Nail c'est Corinne et le main de Staria c'est Marie. À l'époque, ça n'était pas du tout Marie, le main de Staria. Mais voilà, je trouve ça juste assez marrant, je voulais le faire remarquer. Bref, je vous en parle pas plus, la vidéo reprend. Un boulet de canon. Ah, il y a Corin, le personnage qui fallait acheter là en DLC, tel un pigeon dans Smash 4. Bah ouais. Parce que moi. Putain, oh, ils m'ont complètement défoncé, dis donc. Alors là, je m'attendais pas à me faire autant défoncer. Allez. Mais je m'en fous de tes super feuilles. Cran de chargement de mes couilles. Hein. Courant, je te déteste. Tiens, tombe. Mais et toi, ils ont le droit de se régénérer, pas moi. Hein, moi aussi, je veux me régénérer, là. Je suis en train d'acheter des trucs dans le shop, il y a une musique de Smash 4, elle est nulle. Mec, depuis... Oui, il fallait juste tuer Marie. Courant, on s'en foutait, genre. J'ai tué Marie. Bah oui, tu regardes les conditions pour combattre le combattant principal. Mais non, je regarde jamais, qu'est-ce que t'as cru? Ah bah moi je regarde tout le temps la condition. Parce qu'il dit le stage est en feu, patati patata, des trucs utiles avant de lancer le match directement sans réfléchir. Utile. Ouais, utile, parfois. Ouais mec, il y a une info.
forêt que je viens de débloquer là. Mais mec, oui, mais arrête forêt. Non, il va balancer une boule de feu, ce gros méchant. Une boule de feu. Punaise. Rapide. Ah oui, je pars dans le mode classique, j'y vais avec Wi-Fi Trainer parce que voilà, c'est cool, Wi-Fi Trainer. Wi-Fi Trainer, c'est la vie, hein. Ok, allez, je m'en fous, j'ai encore lancé un combat sans réfléchir, hein. Tu m'en voudras pas. Oh là là. Diddy Kong. Je sais même pas c'est qui son esprit, je crois que c'est Racine, hein, c'est un peu. Chelou comme nom. Non, mais que quand tu dis que Smash 4 à la base ça devait être le dernier Smash Bros, je suis content quand même. Le ah dernier Smash Bros, ils mettent pas tous les personnages. Ouf. Ouais. Ouf. Et c'était un peu dur. Et surtout pas tous les stages et tout. Enfin, non, ça aurait été impossible. Bon, là, par contre, je tiens à dire que dans ce jeu-là, il y a certes tous les combattants, mais il n'y a pas tous les stages. Genre. Ouais, mais bon, en même temps, par exemple, le stage de Midir, c'était pas non plus ultra utile. Enfin, ça n'existe plus. Et moi, il y avait un stage que je voulais absolument et qu'ils n'ont pas remis. C'était le Pac-Man sur 3DS. Oh oui, mais celui-ci il était vraiment bien, franchement. Et à la place, ils ont mis le Pac-Man de celui de Wii U. Ouais. Je suis un peu déçu. Ils sont un petit peu déçus parce que le Pac-Man de celui de 3DS il était franchement bien. Oh le temps! Oh le temps! Ralentis, ralentis. Boum. Allez, je l'ai fini. Allez, victoire! Diddy Kong, t'es mort! Racine, je t'obtiens! Oh, une balle Smash! Ouais, mais bon, en même temps, mec, si Smash 4 était vraiment le dernier Smash Bros, ça aurait été vraiment dégoûté, quoi. En même temps, d'un autre côté, Nintendo, ils auraient été sympas de nous sortir un autre Smash Bros, quand même. Parce qu'à la base, c'est vraiment le dernier. Enfin, je veux dire, quoi. Bah, ouais, vraiment. Nudie mode. Mec, ce bouton vert, il m'a tellement attiré l'attention que je vais absolument y aller. Bon, Staria, je commence à me refaire à Smash Bros. Ah. Je commence à reprendre. Ah bah je suis prêt pour le combat alors. Hein. Non mais non, je suis pas encore ultra chaud. Hein. Je suis pas quoi. Mais je commence à reprendre la main, franchement. Hop, deuxième jour là, je fais que jouer à ça. Je commence à reprendre la main. Moi aussi, je suis pas encore totalement repris. Hein. Mais voilà, si toi t'es pas non plus totalement repris. Hein. Bon, en même temps, je suis en mode normal d'un autre côté, donc faut pas que je me vende tout de suite. Bon, difficile, c'est. Moi, je trouve qu'en plus simple qu'en facile, tu vois, genre vraiment. Facile, j'ai l'impression que c'est dur, vraiment. Des fois, je me dis, mais putain. Oh, ce con, je lui ai assané. Comment il est mort. Allez hop, t'es mort. Ça dégage, c'est parti. Je veux aller appuyer sur ce bouton vert. Alors. En fait, à chaque vidéo, il y aura une demi-heure. Et voilà. Une demi-heure de la. Et un combat à la fin. Ouais, ça. Et un ou deux combats à la fin contre Staria. À chaque fois, ce sera ça en fait. Herbizar et Xixel. Et son esprit, c'est Florizar. Ou je m'appelle pas ça en Xixel. Il fait quasiment ma taille. Un petit peu. Ouais, moi aussi, j'en ai pas trop compris. Mec, il m'a tué d'entrée de jeu! Ah ah! Mec, il m'a foutu par terre, il m'a niqué. Oula, oula. Disons qu'il m'a tué d'entrée de jeu. Hein. Extrêmement fort. Ok. Donc, extrêmement nul, à toi de voir. Ah, mais attends, c'est la lave violette en bas, je suis débile, je l'avais même pas vu. Ça me tue instantanément. Enfin, presque. Enfin, en tout cas, ça me garde bien, ça me fait beaucoup de dégâts. Tandis que lui, évidemment, zéro dégâts, c'est de la violette. Attends, la lave violette. Oui, forcément, je sais. Tu sais, c'est du poison, hein. Oui, mais c'est pareil. C'est un truc pas bien. T'as pas d'esprit contre le poison? J'en sais rien. Mais... Qu'est-ce que tu veux? Non, mais vraiment, faut pas que tu utilises tout le temps le même esprit. Hein. Il y en a qui te donnent grave l'avantage, surtout durant ce genre de combat. Bah, moi, mon petit évolue, déjà, il est neutre. Et en plus, il est quasiment niveau 100. Donc, je m'en fous, je le dis. Non, c'est le niveau 80. Le niveau 99, c'est le niveau max. Comme pour les Pokémon. Ouais, parce que là, en fait, c'est le niveau 96. Bah du coup quand tu seras niveau 99 je pourrais commencer à utiliser d'autres esprits. J'arrive à le battre. Mais tu sais que t'es pas forcément obligé de les utiliser pour qu'ils montent de level hein. Ouais je sais. Alors. Bon et quand est-ce que je te bats toi? Putain à l'heure je lui donne des petits coups mais je suis trop gentil je trouve. Moi trop. Tu sois un petit peu plus méchant du coup, c'était trop gentil. Parce que c'est beaucoup trop gentil de pas être méchant. Il m'a tué, c'est voilà. Pas très très gentil d'être méchant. Il m'a complètement défoncé.
Ok, 78,2 de dégâts. Oui, pas mal. Je commence à lui infliger pas mal. Boum, un petit coup, 97 de dégâts. Oh, ce match, c'était épique. Comment je l'ai battu? D'accord. Mais mec, d'un coup comme ça, je me suis réveillé. Hop, je l'ai complètement détruit dans tous les sens. Ok. Le bouton vert alors? J'appuie sur A. J'ai appuyé sur un bouton vert, Staria. Ah oui, t'as trois boutons à appuyer. Oh putain, d'accord, c'est vite pour ça. Ok. Bon, bah, d'accord, génial. Bon, au moins j'appuie sur. Mais ça va, ils sont pas très durs. Ils sont pas très durs. Là, je peux grimper vers un temple. Sachant que tant que t'as pas appuyé sur les trois boutons, tu peux t'as accès qu'à la moitié de la map en fait, ou environ 60% de la map. Oui bah oui bah du coup dans ces 60%, il y a les trois boutons verts, il y a les trois boutons. Oui, il y a les trois boutons. Ah bah voilà, du coup. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais il y a un espèce de pont avec un gros faisceau lumineux qui sort. Oui, j'ai vu. Ouais, bah ça bloque le chemin. Mais franchement, il me fout des dégâts. Bon, c'est bon, j'ai gagné. Victoire, allez. Bon, c'est gagné. Bon, c'est bon, je les ai battus. Ok, il y a de la fumée qui va se lever. Qu'est-ce que ça donne du coup? Allez là. Alors, la fumée. Qu'est-ce qu'elle recèle? Hop. Je continue à grimper des marches. Passionnant. Ah, piston, ondo. Il y a l'air d'avoir un circuit. Little Mac et Kissel, ok. Little Mac, il est ultra nul. Attends, comment ça, il y a l'air d'avoir un circuit? Un circuit de voiture, je sais pas quoi. Ah bah je sais où t'es. Tu es pas très loin de revenir au centre en fait pour débloquer un autre personnage. Ah oui, d'accord, ok. Et le personnage que tu vas débloquer, c'est bah, il me semble que j'en ai beaucoup moins que lui dès le début de la game, quoi. C'est complètement bizarre. Ok, c'est bon. Il me semble que. Je l'ai éjecté! Ah oui, d'ailleurs, il y a un combat que je pense tu as bien galéré, mais justement, bah tu l'auras. Ce sera pas tout de suite. Ce sera contre un certain Ganondorf réflecteur. Je me suis quand même trompé. C'est une ville. Avec si c'est une ville, là, tu vas pouvoir débloquer Linkling dedans, je pense. Oh, trop bien. Mince, il y a une barrière, Staria. Comment est-ce que je fais pour aller ouvrir? Ah, mais ça, il faut que. Tu vois, dans la forêt, t'avais une espèce de zone bleue un peu bizarre. Je sais pas si t'as remarqué. Genre, à un moment, il y avait une espèce de. Ouais, bah, faut que t'ailles dedans en fait. Donc j'ai dedans et que je la. Okay. Et en fait, ce sera un petit peu. En fait, ce sera une sous-zone de Splatoon et genre, faudra que tu récupères le grand poisson. Ok, bah, je commence par y aller alors. Et bah, dedans, aussi, tu peux débloquer Pichu. Je m'en fous que ça fasse plus d'une demi-heure. On ira dans cette fameuse ville. Alors, on ira dans cette fameuse ville pour la vidéo. Tu t'arrêtes, je sais que tu débloques Pichu. Oh, c'est un stage dans quel con où tu meurs Pichu dans l'eau là. Eh ben, je suis retombé dans l'eau. Lol. Par contre, les temps de chargement sont un tout petit peu trop longs à mon goût. Mais genre, un tout petit peu trop long, je trouve. Quand tu bah, ceux de Sonic 2006 sont. Non, mais c'est pas le même délire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment le même délire, genre. Oh, oui. D'accord. Mais laissez-moi tranquille, là, vous tous! Ils s'approchent tous en mode ok, l'homme. Ouais, salut, mon pote. Comment il va? Depuis le temps là. Depuis le temps, moi. C'est longtemps que je l'ai pas vu. Je les ai jamais vus de ma vie. Hey, boum! Fleur de feu! Ouah! J'ai failli tomber dans l'eau. Fais gaffe! Ça doit être un vrai plaisir d'entendre mon micro pendant la vidéo quand je hurle. Ouais. Hop. Mais laissez-moi tranquille! Bim! Bim! Tu dis que ça doit être un vrai plaisir d'entendre ton micro saturé comme ça, mais ça doit être un vrai plaisir d'entendre ma manette aussi. Parfait, c'est bon! Ok, j'aime les sticks, on dirait ceux de manette GameCube. Ok, allez, on dirait très clairement les sticks d'une manette GameCube. Attends, je vais rétrécir un petit peu. Est-ce que je peux avoir un petit peu plus le. Est-ce que je peux avoir la carte en un tout petit peu. En pas trop zoomé en fait. En pas trop dézoomé. Mais juste assez zoomé pour.
pour pouvoir voir l'endroit là. Ah, ah oui, là. Tu peux bouger le stick droit. C'est là. C'est l'endroit où il a balancé du feu là où je dois aller ? Non, pas du tout. Tu vois l'espèce de petite forêt, genre forêt sombre un peu bizarre là. Ouais, avec dedans Link Mojo, je sais pas quoi. Oui, sûrement. Bah, genre t'as une espèce d'endroit bleu un peu bizarre. Genre un petit peu pareil que genre l'endroit rouge, sauf qu'en fait bah, il est en bleu. Je vois pas. Est-ce que c'est là où il y a le bouton vert ou pas ? Hein ? Est-ce que c'est vers là où il y a le bouton vert ou pas ? Je crois pas. Ah bah, je vois pas du tout alors. Mais genre là où il y a Link Mojo. Là où il y a quoi? Là où il y a Link Mojo, tu m'as dit. Je suis pas sûr. Bah, cherche. Attends, je vais aller vérifier au pire. Cherche le bouton vert. Ouais. Pocket Footballer. Et il y a Pocket Footballer juste à côté de la ville là. Je crois justement c'est par là. Je suis pas sûr. Bon bah, je vais affronter Pocket Footballer. Ouais, c'est par là. Ok, équipe villageois XXS. Oh, ils sont tout petits. Attends, je vais aller voir dans le mode de flight. Mais maintenant je dois faire tout chemin arrière, là, je dois traverser. Non, j'ai rien dit. Oh oui, c'est vrai quand tu dois tous les tuer d'un coup là, quand tu dois tous les biter. Oh mais tous les ballons foot qui apparaissent pour les tuer. Salut Killer, salut. Au revoir. Ta-da-da-da. Il a failli me tuer lui. Espèce de dingue. Attends, dans Smash 4, est-ce qu'il y avait un mode aventure ou pas du tout? Non. Ouais, c'est ça, c'est vraiment des... Bah enfin, il y avait un mode aventure, mais enfin, c'est un mode classique quoi. C'est dégueulasse en fait, parce que ils disaient que c'était quand même le dernier Smash Bros. Ils ont dit hier que c'était le dernier Smash Bros alors que y avait rien du tout dedans. Salut The Dark Realm. Heureusement que j'ai mon jeu en anglais. Mais c'est quand que je les tue tous là? The Light Realm. Alors, Alors. Normalement, Pocket. Ouais. Est-ce que dis, t'es à une ville où... Attends, lâche combat l'esprit Pocket, je sais pas quoi. Ok, c'est bon. Faudrait qu'en fait que tu montres où est-ce que t'es exactement sur la map. Bon, attends, je te fais un petit partage d'écran du coup. Est-ce que là tu vois le partage d'écran? Oui, je vois. Ouais. Parfait. Ah, c'est bon, bah, niveau 99 max. Ok, plus suite. Bon, en bref, les fameux. Ah, du coup, c'est en 60 fps, merci Nitro. Ouais, alors là, va falloir que tu descendes et que tu tournes à gauche. Là, non, pas là. Là ? Là, non, là, à gauche, là, juste avant. Là ? Ouais. Ah bah du coup j'ai combattu. Et là tu vois il y a une espèce de forêt un peu plus loin. Bon bah du coup attends. Ouais bah c'est là en fait. Attends, je vais combattre sous tes yeux du coup. En espérant ne pas être trop nul à chier. Oh, ils vont tous me faire chier. Bonne chance hein. Ah ouais mais arrête ça. Il me fait dormir cet enfoiré. Alors juste. What the fuck. LOL. Et en plus, c'est vrai qu'il est tout seul, il peut plus faire grand chose. Fais attention, franchement. Non, c'est pas une bonne idée. Allez, donne-lui un bon coup d'épée laser là. Oui. GG. Ah non, il est pas mort. Donne-lui un bon coup d'épée laser là. Oh, il t'a fait un perfect hit. Non. J'ai gagné. Ça fait du bien parce que c'était extrêmement chiant. Ça fait combien de temps que t'étais bloqué dessus? 10 minutes environ. Je dirais bien 10 minutes, ouais. Oh la vache, GG. Ouais, enfin le GG, pas non plus trop, hein. Ok, du coup maintenant, indique-moi la suite, Saria, s'il te plaît. Normalement, tu vois les... Là, tu descends, là. Là, je descends? Ouais, bah c'est là. Tu combats lui, ouais, vas-y. Je veux pas mourir.
Alors, là, c'est de l'attaque? C'est un novice. Ouais, c'est de l'attaque. Bon, du coup, je... Mais là, tu peux prendre si tu veux, du coup, là c'est un très novice, tu devrais pas avoir de mal. Oui, voilà. Bah, du coup, je reprends mon petit évolu. Foreuse... Non, foreuse, c'est pas non plus la peine. Je prends l'esprit. Bah, tu... Ouais, vas-y. Go. Allez, go. Bon, mec. Ah non, mince, j'ai Kirby. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Tout ce que t'as à faire, c'est le pousser tout au bout du terrain, là. Voilà, c'est bon. Oh, c'était violent, par contre, c'est du game. C'était comme... Bah, il est pas mort. Mais what the fuck ? Par contre, on fait pas trop là-bas. Là. Allez, hop. Voilà. C'est pas très très gentil quand même. Alors normalement tu verras une zone bleue, il faut que t'ailles de loin. Allez go. Tu vois la zone bleue là, faut que t'ailles dedans. Mon petit coffre. Il faut que tu te déplaces à travers la forêt. Point d'esprit, 1000. Ah je peux pas. Ah non, ah bah non, faut que tu te déplaces à travers la forêt, sinon c'est pas drôle. Ça va être extrêmement long. Mec, c'est ce que je te propose. On continue ça au prochain épisode, d'accord? Vas-y, on enchaîne au pire. Voilà. On continue ça au prochain épisode. Pour l'instant, on va faire un affrontement. On verra très bien, on va voir qui c'est. Oh, Yongling. Oh bah tiens, regardez qui bloque, c'est mon petit garçon. Et en plus, j'ai Kirby. C'est vraiment pas sûr. Ah oui, ça va, il est pas très dur. Moi, ouais, j'imagine que non. Young Link, franchement, ça devrait aller. Ah, attends, le stage continue. Oh, ok, c'est marrant. Et attends, d'où j'ai pris plein de dégâts comme ça, moi. Scandale. Voilà. Comment je l'ai fini, par contre. C'était beau. Link enfant. Link enfant fait son entrée. Évidemment, c'est Link enfant, hein, faites attention. Ah. Joueur bonsoir. Yakuman. T'as réussi des défis, bravo. Moi, je les ai tous fait, les défis. Hein. Bah, pour l'instant, ça va le faire. Allez, en ligne. Connexion. Hey, let's go. Du coup, il faut que je quitte mon machin. Ok, je retire le partage d'écran pour éviter que ça lag. Je lance une arène. Vas-y. J'ai créé... description... T'as vu comment je l'ai appelé la reine? Ah non, j'ai pas regardé. Comment tu l'appelles? Tu verras. Ok. Yeah. Non, c'est yee. C'est le dinosaure. C'est yee. Bon, c'est bon, j'ai dit mon perso de près, moi. Alors. Par contre, je commence à avoir pas mal de personnages là, du coup, dans mon truc normal, pas l'aventure. Ah ouais, ouais, du coup. Je commence à avoir quelques personnages. Quel personnage vais-je bien pouvoir prendre cette fois? J'ai envie de me prendre un petit comme ça, je vais pas dire son nom. Allez, je garde Marthe avec son petit costume blanc. Going to... Moi, je vais prendre mon petit chou. On va commencer le match parce que la vidéo dure déjà depuis un petit bout de temps. Ah ouais, non, c'est bon. Allez, moi, j'ai choisi la destination finale, je sais pas si on va trouver. Ouais, la même. Voilà. On va tomber sur la destination finale de qui, je ne sais pas. Je pense à la tienne. Ça se trouve, ouais. C'est moi la seule musique que j'ai mis, bah c'est pas celle-là du coup. Voilà. Donc du coup c'est la mienne. Casse-toi ! Mec, Pichu il fait trop mal. T'es vraiment sourd. Hacha. En parlant d'Hacha, je sais très bien ce que... Oh oui. Hacha, il y a un personnage qui fait Hacha, c'est trop bien. Oh, rip. Non, mais très bien, je me suis suicidé. Très bien. Bon, tu sais, moi je vais mourir, je suis mort quand même. Voilà, là je l'aide normalement. Bon, là oui, là tu l'aides. Bah non. Je veux au moins te faire 1% de dégâts dans cette partie. Ouais, c'est bon, j'ai réussi. Objectif rempli. Bon, c'est comme tu crèves par contre. Voilà, merci. Ouh, ça fait mal ça.
Pikachu, trop beau. Mais en fait, Pichu, c'est un clone du Pikachu, il a exactement les mêmes attaques. Bah, sauf qu'en fait, elles sont plus puissantes, mais par contre, il se fait des dégâts. Et tu sais qu'à la base, Pichu, c'était la base de Pikachu. Comment ça? Pichu, en fait, Pikachu, c'est l'évolution de Pichu à la base. Non, mais je sais ça. Bah, non, parce que tout le monde dit que Pikachu, c'est un Pokémon de base, et puis voilà, et qu'il veut jamais évoluer. Et bah, en fait, au final. Non, mais ça, c'est ceux qui regardent l'anime qui disent ça. Ouais, c'est pareil. Mais casse-toi! Tu m'as gavé. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Pas trop, c'est que Pichu, certes, il se prend des dégâts avec ses attaques, mais ses attaques font plus mal que Pikachu. C'est très drôle. Peut-être que Pikachu, c'est une grosse bouse de vache. Tu dis ça, mais t'en as un sur ta pépé. Hein. Mais non. Il est mignon, certes, mais il est très très nul à Smash. Mais il est mignon. Mais Pichu, il est plus mignon que Pikachu. Non. Enfin, moi, je trouve, du moins. Toi, tes goûts personnels, et je les trouve tellement débiles que voilà. Hein. Mais mec, comme le dirait si bien elle, cute but stronger. Bon, c'est vrai qu'il est pas trop mal quand même. Bon, c'est sur cette fin que l'épisode 3 de Smash Ultimate se termine. J'espère qu'il vous a plu. Voilà, encore une fois, la chaîne de Staria est dans la description. Hein. Oui, on ne le dit pas assez. Et puis, voilà. Et du coup, n'hésitez pas à lâcher un petit like à la vidéo, à la partager et à vous abonner à notre chaîne. Et bonne journée, bonne soirée, comme d'habitude, on s'en fout. Et voilà, à bientôt. À plus.